votre ami et agent Monsieur Jorge Mendes, Monsieur Florentino Pérez, président du Real Madrid. Merci, Monsieur, d'être ici ce soir. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et tous ces grands joueurs sont des légendes du Real Madrid. Raúl, Fabio Cannavale, Roberto Carlos, Kaká et Ronaldo. Il y a aussi le directeur de l'équipe portugaise. Et Mister, où est-il? Monsieur Santos, your national team coach is also there. Votre entraîneur national, Monsieur Santos Fernando, est aussi ici. Donc Ronaldo, c'est votre nuit aujourd'hui, votre cérémonie. J'aimerais savoir comment vous vous sentez. Of course, I feel happy. Bien sûr, je suis heureux. C'est un grand moment de ma carrière. Je suis content. C'est quelque chose que je souhaite recevoir tous les ans, toutes les saisons, donc toutes les... Donc, l'année dernière, on a fait une saison merveilleuse. On a été dans la Ligue des Champions, dans la Liga espagnole. Et en tant qu'individuel, j'ai été le plus buteur de la Ligue des Champions. Donc, évidemment, les trophées, ça aide. Gagner. Donc j'aimerais remercier mes camarades de l'équipe de Real Madrid. Toute l'équipe a été très importante pour moi. Évidemment, tous les autres qui m'ont aidé à être très en forme cette saison. Cristiano, je sais que vous êtes fier de votre famille. Vous les chérissez plus que tout au monde et souvent vous dites que c'est la racine de votre succès. J'appelle sur la scène votre mère Dolores et votre fils Cristiano Ronaldo. Vous voulez pouvez venir sur scène, s'il vous plaît? Madame. He knows already how to take a mic. Il sait déjà comment prendre le micro, n'est-ce pas? Dolores. Of Cristiano. She don't speak English, vous êtes fier de Cristiano. Elle ne parle pas anglais, vous savez, mais je peux lui traduire. Hein. Je me suis sent très fier. Elle se sent très heureuse et c'est un très grand honneur pour elle. Prenez le micro pour répondre. C'est pas la peine, moi je parle pour elle. Hey Junior. Junior. That is good, hein? C'est bien, hein, ça, n'est-ce pas, hein, Junior? C'est un exemple pour toi? C'est un exemple que tu veux suivre dans la vie? Oui. Yes, definitely. I'm sure you are. Je suis sûr. Donc vous êtes tous les deux très fiers de lui, j'en suis sûr. J'ai une question pour votre mère, Cristiano. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de très spécial dans votre fils lorsqu'il était très jeune? Très... Oui. Tout à fait. Straight away. Oui. Il était spécial déjà quand il était jeune. Et Cristiano, does he got something special? Junior, as well. C'est aussi. Vous sentez quelque chose de spécial chez Cristiano Junior? Tu veux répondre toi-même? Moi, je crois. Je crois qu'il a quelque chose de spécial. But I think if you je ne veux pas lui mettre la pression, mais je crois que s'il le veut, évidemment, I like je sais qu'il est très jeune. I have something special, I think. I like the way he hits the free kicks. Et ça, il se tient comme ça. Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais le geste là? Très bon. Cristiano Ronaldo, ce sont des chiffres hors normes, un palmarès fabuleux, mais surtout des gestes incroyables et des buts décisifs. Regardez.
What a fantastic year 2017. Quelle année, what a wonderful 2017, football career you have been central to the achievement of your club vous over the last 8 years. Pour Cristiano, les réussites de votre club Pérez, ces 8 dernières années, Monsieur Florentino Pérez, veuillez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler de votre joueur. Good evening, sir. Stay in the middle. Ça va bien? We're going to speak in English. Okay. For Cristiano to understand on va parler what you're en say. Anglais pour que Cristiano comprenne ce que vous how allez dire. You of your player? Et vous êtes fier de tell votre joueur? Dites-moi à quel point vous êtes fier de votre joueur Cristiano. Bonsoir à tous. Et je suis très, très content d'être ici avec mes joueurs, qui ont joué il y a quelques années, et surtout être ici avec Cristiano Ronaldo. Pour le Real Madrid et pour tous les madridistes du monde, c'est le 5e Ballon d'Or, c'est un honneur pour tout, et une reconnaissance surtout pour les meilleurs joueurs du monde, c'est Cristiano Ronaldo. Je crois que Cristiano Ronaldo a toutes les valeurs qui porte le Real Madrid, non? L'effort, le respect, le travail en équipe, et tout ça, et surtout la solidarité. Est-ce que c'est pour vous le joueur ultime qu'on peut avoir dans un club quand on fait? Is it the top players you should get? Any president should dream of le to have joueur in a club. Dont tous pitch. Les présidents rêvent pour leur teammate. Club. Il est bon sur what le terrain, il est bon dans le vestiaire, il est bon avec ses know. Camarades. Pour moi, c'est le plus complet joueur après Alfredo Di Stéfano. Pour moi, c'est l'héritage d'Alfredo Di Stéfano. Et après lui, il va commencer une nouvelle étape du Real Madrid. Si brillant, si merveilleux, comme nous avons eu après Alfredo Di Stéfano. Alors, parlez-moi un petit peu du Real de Madrid, votre club cette saison. L'ambition du club, c'est gagner une troisième Ligue des Champions. C'est... Racontez-moi, dites-moi un petit peu les ambitions personnelles de ce club, vous, président. Non, pour moi, bueno, le Real Madrid...